Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce jour, nous allons apprendre comment enlever le background, ça cela veut dire l'arrière-plan d'une image pour utiliser à faire des conceptions. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur Google et taper removebg.com. removebg.com. Donc, c'est sur ce site qu'on peut enlever et le background des images, parce que nous avons besoin de ça pour faire nos conceptions et enlever l'arrière-plan, changer l'arrière-plan de nos images et pouvoir réaliser des choses avec. Donc c'est ça, on clique sur le premier lien qui s'affiche, on attend que ça charge et puis nous allons choisir des images. Donc, on attend. C'est juste une question de la connexion. Donc, oui, c'est ça, voilà. Voilà. Donc, maintenant, nous allons appuyer sur Upload et plutôt, oui, Upload image. Donc, cela veut dire on va télécharger l'image. On va aller amener l'image depuis la galerie. Donc, ça nous conduit dans la galerie du téléphone. Et c'est là que nous allons choisir l'image que nous voulons traiter. Donc c'est ça. Voilà l'image. Donc on appuie et puis ça vient et c'est lui-même qui traite. Voilà l'original. Voilà l'original. Et c'est maintenant le site qui va enlever le background. Cela veut dire l'arrière-plan. Et ensuite, après cela, on appuie sur le download qui s'affiche en bleu. Et ce qui vient en bas, ça nous demande de télécharger. Et après ça, vient une notification qui nous signale que le téléchargement est terminé. Donc c'est ça. Après cela, l'image, est, comme le téléchargement est terminé, on va retrouver l'image sans l'arrière-plan ou bien sans le background dans notre galerie. Donc comme nous voulons faire une conception avec Pixel Lab, on va aussi aller sur l'application Pixel Lab pour l'utiliser, voir. Donc voilà, nous sommes déjà dans l'application Pixel Lab. On va dans la galerie pour amener l'image dont on a traité tout récemment. C'est avec ça que nous allons essayer de faire quelques une conception. Alors, le voilà. Donc, c'est ça l'image. On va essayer de changer l'arrière-plan, changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, avec ça, déjà, tout le monde peut essayer quelque chose. Si vous enlevez l'arrière-plan, vous l'amenez, vous appuyez sur importer, vous l'amenez dans l'application Pixel Lab. Vous pouvez tout faire avec changer l'arrière-plan, écrire des choses. Déjà, regardez ce que je vais écrire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Il y en a plein de choses qui vont venir par après. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, cela me fera plaisir à pouvoir continuer à donner des astuces dans la conception ou bien dans le graphisme mobile. Il y a plein de choses qui vont venir par après, donc abonnez-vous et on fera des exploits. Donc voilà, merci, je vous laisse de suivre la suite. Donc bye bye. Finde die Worte nicht, ich hab keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht, ich hab keine Worte.